cossu. Donc ça se passe à la fin du 19e à Paris, pendant la période de la Commune, donc une période qui n'est pas très rigolote à Paris. Les Parisiens galèrent un peu, on mange du rat, tout ça, il y a un peu une période de disette, d'après-guerre, et on se retrouve dans une maison close, mais la maison close de Paris, donc c'est assez luxueuse en tout cas pour l'époque, et on suit le destin, en tout cas la vie de toutes ces femmes en fait qui travaillent ensemble et qui font tout pour s'en sortir, voilà, au sein de la maison close et à une époque qui est, où c'est pas la joie non plus. Déjà, il faut savoir que les scénarios, on ne les a pas tout de suite, en fait, quand, sur un projet comme ça. Et sur un projet qui était assez conséquent, donc une super série avec effectivement que des personnages féminins, pratiquement en tout cas. Ils ont cherché beaucoup. En fait, il faut commencer par le début, il faut commencer par le casting qui a duré 3 ou 4 mois, je crois. C'était hyper long. Où il y a eu plusieurs tours. Enfin, moi, je sais que j'ai eu 4 castings différents, les uns après les autres. En plus, toutes les comédiennes, on avait le même texte parce que les scénarios n'étaient pas finis d'écrire. Donc en fait, on passait toutes en fait la même audition sur le même texte parce qu'ils savaient pas encore qui allait faire quoi. Les rôles n'étaient pas vraiment distribués et donc, enfin, oui, attribués. Donc, quand on a accepté, on n'avait pas lu les scénarios en fait. Mais en fait, la thématique, c'est vraiment, c'est une question que je me suis pas posée. Je me suis pas dit ah ouais, jouer une prostituée. Fin 19e à Paris, bof moyen quand même. C'est une question que je ne me suis pas du tout posée, en fait. On m'a parlé un peu de mon personnage assez rapidement, même si je n'avais pas les scénarios. Et je me suis dit, ouais, banco. Banco, déjà, une série Canal+, je suis quand même un petit peu ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui prend des risques sur des projets avec des scénarios vraiment originaux. Donc, ouais, j'y suis allée un peu à l'aveugle. Mais je me suis dit qu'artistiquement, ce serait vraiment intéressant et je n'ai pas été déçue. Là, oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est Canal+ s'est permis de financer un scénario complètement original. Et ça a marché, ça a payé. Et puis aussi, le travail qu'a fait toute l'équipe artistique, mais notamment toutes les idées qui pouvaient venir de Mabrouk El Mechri, donc qui était le premier réalisateur qui a lancé la première saison et qui réalise aussi les 4 premiers épisodes de la deuxième saison. Il a donné vraiment un ton très rock, il a vraiment dépoussiéré, bon, tout en étant appuyé par la chaîne bien sûr, mais dépoussiéré la série en costume, quoi. Donc ce qui fait qu'il y a une vraie résonance avec ces personnages-là, qui pourtant vivent il y a longtemps, fin 19e, il y a une vraie résonance avec aujourd'hui en fait, parce que c'est vrai que les femmes continuent à se battre perpétuellement, je veux dire, rien n'est acquis. C'est un personnage hyper spontané. Donc, qui vient aussi d'un milieu populaire, comme beaucoup de ces filles-là, de toute façon. Un personnage entier, hyper sincère et hyper spontané, c'est-à-dire qu'elle parle, elle agit, elle réfléchit, peut-être, après. Mais ce qui fait un personnage hyper touchant, parce qu'elle est, ouais, elle est entière, elle est sincère, et elle a une naïveté. Qui est une bonne naïveté, je pense. Comparé en tout cas aux autres personnages, c'est un personnage vraiment entier, quoi. Elle a vraiment un côté un peu... Ce côté naïf fait qu'en tout cas, on s'y attache très facilement, voilà. Contrairement aux autres où on voit... C'est pas qu'elles sont manipulatrices, mais voilà, elles savent où elles vont, elles s'organisent, on voit bien... C'est pas un manque d'intelligence, c'est juste qu'elles se laissent porter, quoi. Parce qu'elle se dit que, voilà, elle est consciente, quelque part, même si elle l'exprime pas, qu'elle est mieux, en tout cas, dans cette maison close que... n'importe où ailleurs. Et puis, surtout, toutes les filles de cette maison close sont sa famille. Donc, elle est consciente de tout ça, mais elle se pose pas trop de questions. Au niveau de la préparation, en fait, ça rejoint le fait que je me suis pas... Moi, personnellement, en tout cas, je me suis pas posé de questions quand on m'a proposé le rôle. Parce que je me suis dit, c'est des beaux personnages à défendre, et j'étais pas déçue. Mais après, pour défendre ces personnages, de toute façon, on est obligé de passer par ces scènes-là, parce que sinon, comment les comprendre, comment les cerner. Je crois qu'en fait, on se pose pas trop de questions. Forcément, on prépare, voilà, on lit les scénars, on a lu beaucoup de... Voilà, moi, j'ai lu beaucoup de documentation, apparemment, des livres de Laure Adler, sur les prostituées d'époque, qui racontaient, je sais pas, des passes particulières, avec des clients qui avaient des exigences très particulières. On s'est beaucoup documenté, en tout cas, moi perso, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu.
Après, oui, bon, ce n'est que de la lecture, mais l'imagination fait son chemin également. Et puis, artistiquement, on était super bien entourés. On avait quand même un metteur en scène qui était hyper confiant. Et il y avait vraiment un rapport très simple. Il y avait un œil tellement bienveillant. On a eu de la chance aussi. Et Canal Plus aussi a vraiment fait ce travail, enfin, en ce sens. C'est qu'ils ont trouvé des metteurs en scène qui avaient vraiment une envie déjà de faire découvrir ce milieu, cette époque, qui était vraiment très intéressé, qui aimait les comédiens aussi. Donc on a eu des réalisateurs qui ont vraiment été top. Là, on a eu donc Mabrouk El-Meshri qui était là sur la première saison déjà et sur la deuxième qui est revenu. Et puis on a eu Jérôme Cornuau aussi, un réalisateur vraiment très délicat aussi. Parce qu'au-delà du fait de travailler, enfin d'aimer les comédiens, il faut vraiment aimer les comédiennes surtout. Et surtout, si on n'a pas un œil bienveillant, vu les scènes qu'on avait à faire, que ce soit des scènes d'orgie, des scènes de sexe, des scènes d'amour, qui parfois sont des scènes où on doit en plus non seulement mimer des actes vraiment voilà, émotionnellement assez forts, faire l'amour, tout ça, mais en plus montrer dans l'œil qu'il y a du vrai sentiment, ça c'est la chose qui est la plus difficile pour moi. Parce que là on est vraiment on attaque la pudeur, il faut l'enlever, c'est vraiment pas facile quoi. Si c'est juste mimer un acte sexuel et faire semblant, je joue une prostituée qui joue elle-même un jeu, le fait de désirer un client qui est moche, vieux, rabougri. Et les scènes d'amour sont plus difficiles, plus impudiques. Et puis il y avait les scènes aussi de baston. Donc moi par exemple, je prends une belle dérouillée dans des épisodes. Curieusement par exemple, pour notre entourage, c'est pas les scènes de sexe ou à proprement parler qui étaient dérangeantes, par exemple pour mes parents. C'était davantage les scènes où on se fait taper dessus, parce que il y a tellement quelque chose de réaliste en fait à l'écran que c'est un peu choquant en fait. Non, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, enfin il y en a plein, hein, mais celle qui me vient en tête, hormis effectivement la scène dans la prison dont vous parliez, une fois qu'elle se fait arrêter, voilà, et cette scène avec Anne Charrier, donc le personnage de Vera, et effectivement, comme vous disiez, oui, ça montre vraiment les côtés du personnage qui sont vraiment très entiers et qui fait que sa famille, c'est-à-dire que ses amis, son jumeau, elle défend tout le monde, elle est hyper fidèle et ça nous montre vraiment ouais, un beau côté du personnage, hyper entière, jusqu'au bout. Ça montre aussi un très beau personnage, le personnage de Vera, on voit toutes ses fêlures, c'est très beau. Mais sinon, il y a une autre scène que j'aime beaucoup, c'est une scène avec les filles et avec Hortense notamment. Elle se retrouve en face de la macasse et qui veut qu'elle avorte, évidemment. Et elle, c'est hors de question, quoi. Donc, c'est le fruit de son amour, donc c'est hors de question. Et c'est une scène, on a vraiment... Enfin, au niveau de la séance de travail, pour arriver à un tel niveau, parce que ça ouvre un des épisodes, je sais plus c'est lequel, mais ça ouvre un épisode sur quelque chose d'hyper violent, puisqu'elle est en train de hurler et de pleurer. Je me souviens que pour monter à un tel... avec une telle patate comme ça, il nous chauffait vraiment à blanc, Mabrouk El-Meshri, il nous a vraiment fait travailler. Et cette scène était vraiment très très forte à défendre. Et très belle. Moi, je trouvais que vraiment le personnage s'exprimait vraiment. Elle est tellement touchante. Ce personnage est vraiment tellement chouette. Cette scène m'a surtout marquée parce qu'à la fin, j'étais lessivée, quoi. Mais c'est tellement bon, c'est tellement une bonne fatigue de comédien quand on sort du plateau, qu'une scène est finie et qu'on est éreinté. Mais c'est bon quoi, c'est bon. Effectivement, la saison 1 est très riche pour tous les personnages. Pour la mienne, ouais, son chemin est assez difficile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a une ellipse en fait. Voilà, les scénaristes, il y a un parti pris, c'est qu'il s'est passé du temps. Un an à peu près, un peu plus d'un an, deux ans. C'est assez flou, hein. Et donc les personnages déjà ont digéré tout ce qui s'est passé dans la saison 1. Enfin, certaines ont gardé des rancœurs par rapport à des choses qui se sont passées, mais voilà, de toute façon, on les retrouve en tout cas, elles sont toujours aussi attachantes, j'espère, en tout cas, dans la deuxième saison, et il va se passer beaucoup de choses. En fait, il y a des hommes qui arrivent, des hommes débarquent dans la maison close, il y a un nouveau système d'organisation au sein de la maison close. Puisqu'elles ont tenté l'autogestion. Voilà. Effectivement, je fais beaucoup de choses, mais parce que je pense qu'en tant que comédien,
notre outil, c'est un peu notre corps, voilà. Donc je pense qu'il faut au moins être curieux. Moi, j'essaie de faire un maximum de trucs. Dès que je travaille pas, j'essaie de faire des stages ou des formations pour découvrir. Hein. J'ai pas envie de mourir bête. Après, ça me correspond pas, mais c'est vrai que je suis un peu une touche à tout. Voilà. Donc la danse, le chant, c'est normalement en tant que comédien, on est censé travailler notre voix tous les jours. C'est vrai. C'est difficile d'avoir la même rigueur qu'un musicien, mais par exemple un violoniste, voilà, un premier violon dans un orchestre, il est obligé de travailler tous les jours. Donc nous, on est censé faire la même chose. Donc forcément, le chant fait partie de mon travail. Après, sortir un single, ou c'est pas du tout dans mes aspirations. Après, ayant déjà chanté dans des spectacles, c'est quelque chose que j'adore faire. Dans la deuxième saison d'ailleurs de Maison Close, il y a un petit numéro qui est assez court où Angèle, je vous laisse découvrir, mais je m'en sers en tout cas, voilà, j'utilise ce travail-là. Donc un single ou un album, c'est pas du tout dans mes objectifs, en tout cas pas actuellement. Après, ouais, un programme où il y aurait plein de vieilles chansons, où moi c'est l'interprétation qui prime sur le reste en fait. Peut-être, j'espère l'utiliser en tout cas pour d'autres projets, vraiment, parce que ça me plaît à chaque fois de le faire, j'adore ça. Mais un single, non, c'est pas au goût du jour en tout cas. Donc la maison close, très bientôt. Et au printemps, j'ai également une autre série qui sort pour France 2. Donc c'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, mais saison 2. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà la première saison avec Marius Colucci et Antoine Duléry, ça se passait dans les années 30. Là maintenant, attention, donc toujours les romans d'Agatha Christie adaptés, donc des policiers, voilà. Mais sur une note vraiment technicolore, parce qu'on est dans les années 60, attention. Très enjoué. Voilà, très comédie, avec donc deux personnages principaux. Donc nous avons un commissaire qui est interprété par Samuel Labarthe. Un commissaire un peu, enfin pas très marrant, un grand dandy, un peu coincé. Et une petite journaliste, voilà, donc que j'interprète. Donc une femme qui essaye de s'en sortir, la trentaine, comme moi, qui essaye de s'en sortir à une époque qui est forcément pas très évidente, où en tant que femme, on vous laisse le choix entre être femme au foyer ou vas-y, essaye de faire un travail intéressant, bon courage, voilà. Et voilà, bah, j'espère que ça vous plaira également.